triste parce qu'il a été sauvé par le public, par les téléspectateurs. Ce talent, c'est... Thelonious, Queens, it's the only way to be. Black Jesus. Hey? Yeah. My lyrical levels surpass a lot. My proposition. Je m'appelle Luca Turco, j'ai 24 ans, j'habite à Monceau-sur-Sambre. Alors là, on se dirige dans les studios de la RTBF parce que je participe à The Voice Belgique. Et donc aujourd'hui, c'est le premier live. Et du coup, je chante aujourd'hui. J'ai décidé de participer à The Voice parce que j'avais envie de connaître un peu le milieu professionnel de la musique, travailler avec des pros et aussi connaître des gens qui sont dans le milieu aussi, qui partagent la même passion que moi et aussi pour me créer de l'expérience. En fait, cette année, c'est mon cousin qui m'a inscrit parce que je voulais plus y participer. Et donc il m'a inscrit et ça a porté ses fruits, quoi. Alors j'ai commencé la guitare quand j'avais 10 ans. Donc ça fait 14 ans. Et le chant, on va dire que j'ai commencé vraiment à l'âge de 18 ans. On se sent très stressé. Moi franchement, c'est le moment où j'ai le plus stressé dans ma vie, c'est-à-dire. Parce qu'ils font vraiment tout pour te stresser un maximum. Il y a la stress room, on est vraiment, on se retrouve seul. On entend ce qui se passe dans le plateau juste à côté. Et là, on se pose mille questions. Et si ça va pas? Et si j'ai un truc dans la gorge? Ou alors, enfin, on se pose plein de questions. Et après, une fois qu'on arrive devant les quatre sièges retournés, c'est aussi impressionnant parce qu'il y a tout le public. Et là, il y avait ma famille juste à ma gauche. Et je n'osais même pas les regarder parce que j'étais super stressé. Moi, je voulais vraiment que Slimane et Mathieu se retournent, en fait. C'est vraiment mes deux choix, enfin, vraiment que je voulais, quoi. Et au final, c'est eux deux qui sont retournés, donc du coup... Et du coup, vu que je ne m'attendais pas à ce qu'ils se retournent, j'ai hésité, je me suis posé mille questions aussi dans ma tête pour savoir qui j'allais choisir. Au final, j'ai pris Slimane parce que c'est ce qui se rapproche le plus de mon univers. Il a besoin en premier aussi. Et il a été voir ma famille, et ma famille, c'est vraiment super important pour moi. Du coup, il m'a touché et j'ai été dans son équipe. Je pense que l'après The Voice, ça va être peut-être pas mieux, mais ça va être bien parce qu'on aura pris de l'expérience de ça, justement. Et je pense qu'on en ressortira plus fort de cette émission. Now my fears have started changing. Now I'm worried about all the things to come. Yeah, mostly I've been scared of failing. I feel the weight of the world is pushing down on me. Cause I could write every song and never say a thing. I could have what I want, but still be what it des amis ici, tout le monde est des amis. Ensuite, travailler avec des pros. J'ai pu travailler avec des pros, j'ai eu vraiment cette chance et ça arrive pas à tout le monde. Donc je veux vraiment retenir ça. Et alors... l'amitié entre guillemets de Slimane, enfin j'ai côtoyé aussi Mathieu Peggy et voilà, enfin c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça, donc voilà, je vais retenir que le positif. Bah, moi je suis quand même content de ma prestation, j'ai donné le maximum de moi-même. Voilà, maintenant ça n'a pas plu à Slimane, enfin il a choisi une autre personne. Voilà, maintenant c'est pas de mon sort, enfin il a fait son choix. Voilà, maintenant je suis un peu triste de quitter l'aventure parce que je me suis fait des amis ici.
Mais je garde que le positif et je vais aller de l'avant maintenant.